cette vidéo, je vais te montrer comment créer des vidéos d'animaux hybrides qui explosent en ce moment sur TikTok, sur YouTube et même sur Instagram. Et surtout, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent avec ces vidéos virales. J'ai récemment découvert cette niche TikTok qui génère des millions de vues. Pourtant, elle nécessite très très peu de travail. Sur TikTok, on parle de 24 millions de vues et sur YouTube, on parle de 11 millions de vues. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager la méthode simple et 100% gratuite pour créer ces vidéos virales et cartonner toi aussi sur toutes les plateformes. Alors, la première étape que nous allons faire, c'est tout simplement de générer les prompts qui vont nous servir à créer ces images. Pour cela, rien de plus facile que d'utiliser ChatGPT. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le script que j'ai mis à votre disposition. Le script sera envoyé dans notre groupe Telegram. Alors, si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram, le lien se trouve en description de cette vidéo. Alors, vous allez vous rendre dans le groupe Telegram, de copier le script de la vidéo et de venir le coller tout simplement ici sur ChatGPT. Et ensuite, d'envoyer le prompt. Dans ce prompt, je demande tout simplement à ChatGPT de créer des prompts complets en anglais que nous allons utiliser sur Leonardo AI pour générer des animaux dangereux au format 4K et 8K. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce type de vidéo fonctionne toujours pareil. Première image, on montre les deux animaux face à face et à la deuxième image, on montre maintenant la combinaison des deux animaux. Et le premier animal que nous allons créer, ça sera bien sûr un éléphant combiné avec une tortue. Ça sera un loup avec une chauve-souris, un crocodile avec un cheval, un requin avec un rhinocéros, un anaconda avec un scorpion. Vous pouvez créer autant de combinaisons que vous voulez. Et voici les différents prompts pour chaque animal que ChatGPT nous a généré. Alors maintenant que nous avons nos prompts pour générer nos animaux, nous passons tout simplement à la deuxième étape qui consiste à créer ces images sur Leonardo AI. Bien sûr, vous pouvez utiliser une autre intelligence artificielle comme Midjourney ou bien Ideogram. Mais dans ce cas-ci, je préfère utiliser Leonardo parce qu'il y a des crédits gratuits et le résultat est de très très bonne qualité. Et pour tous ceux qui ne savent pas utiliser Leonardo AI, sachez que j'ai fait une vidéo complète à ce sujet dont la vidéo se trouve en description de cette vidéo. Vous pouvez aller regarder. C'est un tutoriel complet sur l'outil Leonardo AI. Donc maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons tout simplement copier le premier prompt. J'ouvre Leonardo AI. Et la première chose que nous allons faire, c'est tout simplement de paramétrer un peu cet outil. Au niveau du preset, nous allons choisir Leonardo Phoenix. Le prompt, nous allons laisser sur automatique. Ici, génération de la qualité, on laisse surface. Ici, les dimensions de l'image, nous allons choisir le format vertical et on va prendre TikTok ici à ce niveau. Juste en dessous, nous allons choisir la qualité moyenne et en bas, le nombre d'images à générer. Nous allons choisir 4 images. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 150 crédits au total par jour pour générer des images. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement d'entrer notre prompt ici. Entrer notre prompt ici et ensuite, nous allons cliquer sur générer. Et là, on passera en quelques secondes le temps que nos images soient générées. Alors, pour gagner en temps, sachez que vous pouvez dupliquer cet onglet, d'accord? Vous dupliquez tout simplement et ainsi, vous allez pouvoir générer plusieurs images simultanément. Et une fois terminé, vous allez voir ici qu'il nous a généré des images, un éléphant face à une tortue. Donc, ça, c'est notre première image. Maintenant, nous allons générer l'image qui reflète la combinaison des deux. Alors, je vais tout simplement retourner sur ChatGPT de copier le prompt de la deuxième scène. Je retourne sur Leonardo. J'entre le nouveau prompt. Ensuite, je clique sur « Générer ». Une fois terminé, vous allez voir ici qu'il nous a généré notre animal hybride à partir de la combinaison de ces deux images, de l'éléphant et de la tortue. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir l'une de ces images et de la télécharger. Donc, vous devez tout simplement procéder ainsi pour générer chacune de vos images. Et une fois que vous aurez terminé de générer toutes vos images, nous passons donc à la prochaine étape qui consiste tout simplement à transformer ces images en vidéo. Nous allons tout simplement les animer. Et pour cela, vous pouvez utiliser deux outils principaux. Premièrement, vous pouvez utiliser Clean AI. Clean AI, c'est un outil formidable qui fonctionne très bien pour ce concept. Donc, il suffit d'ouvrir Clean AI ici. Et le deuxième outil que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est LumaLabs. Vous pouvez utiliser LumaLabs pour transformer ces images en vidéo. Donc, vous allez tout simplement ouvrir Clean AI, de créer votre compte. Et ensuite, ici à ce niveau, vous pouvez voir que vous avez 66 crédits gratuits par jour que vous pouvez utiliser pour générer des vidéos. Clean AI, c'est vraiment un outil formidable parce qu'il permet de générer des vidéos d'une qualité incroyable. Par exemple, ici, vous pouvez voir un chat en train de faire de la cuisine ou également la vidéo de ce chat en train de pétrir la pâte. Ou pour terminer, ici en dessous, vous pouvez voir la vidéo de cet enfant sur un poulet. Donc ça, c'est le genre de vidéo créative que vous pouvez générer sur Clean AI. Alors, comment utiliser cet outil pour animer nos images? Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur vidéo sur l'IA. Et ensuite, nous allons cliquer sur images en vidéo. Donc ici, à ce niveau, tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser, déposer vos images. Donc là, je vais cliquer et je vais choisir notre image à animer.
par exemple celle-ci. Et une fois notre image importée comme ceci, nous allons tout simplement paramétrer un tout petit peu. Déjà ici à ce niveau, vous avez la possibilité d'ajouter un prompt si vous le souhaitez. Mais dans notre cas présent, nous n'allons pas ajouter de prompt. Ensuite, ici en dessous, vous avez la possibilité de choisir des mouvements pour votre animation. Par exemple, si on clique dessus, vous avez ici la possibilité de personnaliser les mouvements. Donc, vous pouvez choisir si la tête va aller à gauche ou à droite, ou bien en haut ou en bas. Pour cela, je vais tout simplement choisir domaine 1 ici à droite. Ensuite, je vais dire le domaine 1, c'est tout simplement sa tête. Peindre tout simplement la tête comme ceci. Voilà. Après avoir choisi la partie du corps à animer comme ceci, vous allez cliquer ici sur piste. Et ensuite, vous devez tout simplement déterminer la direction dans laquelle la tête doit aller. Donc, vous pouvez par exemple dire ça va aller vers le bas, comme ceci, vers le haut. Là, vous mettez tout simplement un trait vers le haut comme ceci. Ou bien, vous pouvez choisir un mouvement plutôt circulaire comme ceci. Donc, c'est vous qui décidez de la direction dans laquelle la tête va aller. Ici, par exemple, je vais choisir niveau 2. Et là, vous avez la possibilité de choisir auto-segmentation. Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner les parties du corps plus facilement. Lorsque vous vous placez sur l'aile, par exemple, ça sélectionne l'aile automatiquement. Vous pouvez sélectionner l'arrière-plan, vous pouvez sélectionner la tête, le corps et ainsi de suite. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner l'aile ici. Pour l'exemple, je choisis la piste 2 et je décide que l'aile va par exemple descendre vers le bas. Donc c'est ainsi que vous pouvez procéder pour personnaliser les animations sur votre image. Mais dans notre cas présent, nous n'allons pas utiliser pour éviter que l'application ne bug. Je vais tout simplement l'annuler. Ici en bas, vous avez également d'autres réglages. Déjà, vous pouvez augmenter le niveau de créativité. Mais là, nous allons rester sur quelque chose comme 0.5 ou 0.6. Là, nous allons rester sur mode standard. La longueur de la vidéo, 5 secondes ou 10 secondes. Nous allons rester sur 5 secondes. Le nombre de vidéos à générer, 2 vidéos. Vidéo 3 ou 4 vidéos. Là, nous allons rester sur une seule vidéo. Ici en bas, vous pouvez également personnaliser d'autres paramètres. Nous n'allons pas entrer en détail là-dessus. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer ici sur générer. Et là, on va patienter le temps que notre génération soit terminée. Donc, ça, c'était la première méthode pour utiliser CleanAI pour transformer vos images en vidéo. Mais vous pouvez utiliser une autre intelligence artificielle qui s'appelle LumaLabs. Comment utiliser LumaLabs? Nous allons tout simplement l'ouvrir. Sur LumaLabs, nous allons nous connecter grâce à notre compte Google. Et une fois sur cette page comme ceci, vous pouvez voir des tas d'animations que j'ai déjà réalisées sur cette plateforme gratuitement. Alors pour pouvoir se faire, vous allez tout simplement ajouter votre image ici à ce niveau. Donc là, je vais cliquer ici, choisir mon image et ensuite je vais tout simplement cliquer ici sur envoyer. Et là, vous allez voir que notre vidéo va être ajoutée à la file d'attente. Je tiens donc à préciser que l'animation de votre image va être plus ou moins rapide en fonction du type de compte que vous avez. Si vous avez un compte gratuit, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voici quelques animations que j'ai déjà eu à faire. Donc, vous voyez que ici, sur cette plateforme, c'est assez facile. Vous ajoutez juste l'image et puis l'IA se charge de faire le reste. Donc, après avoir animé toutes nos images comme ceci, nous passons à la prochaine étape. Nous allons tout simplement télécharger une musique gratuite pour pouvoir faire le montage de notre vidéo. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser une musique qui a déjà été tendance. Donc, nous allons nous rendre sur le compte Instagram. Donc, j'ai trouvé ce compte Instagram qui a plus de 900 000 abonnés et qui ne poste que ses vidéos hybrides et qui font des millions et des millions de vues. Par exemple, sa vidéo qui a été la plus virale, eh bien, elle a fait 80 millions de vues. Et ça, c'est une belle réussite. Tout ce que nous allons faire, c'est de venir ici sur ce compte. Là, je vais choisir, par exemple, cette vidéo. Alors, tout ce que nous allons faire, c'est télécharger la musique de fond qu'il utilise. Donc, je vais cliquer ici et choisir copier le lien. Ensuite, je vais utiliser la plateforme Snap Insta pour télécharger cette vidéo. Donc, je vais coller le lien ici et cliquer sur télécharger. Et je clique ici sur télécharger la vidéo. Voilà, là nous avons téléchargé notre musique de fond. Nous passons donc à la prochaine étape qui consiste à faire le montage de cette vidéo. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser CapCut. Vous pouvez utiliser votre logiciel, celui que vous préférez. Mais là, nous utilisons CapCut parce qu'il est gratuit et facile à utiliser. Donc, nous allons tout simplement ouvrir CapCut. Une fois sur CapCut, la première chose à importer, c'est la musique de fond que nous venons de télécharger. Je dépose sur la timeline. Et ici, je vais tout simplement séparer la musique de la vidéo. Donc, je vais faire un clic droit ici, extraire le son. Et là, je vais supprimer la vidéo pour ne garder que la musique. Ensuite, je vais importer nos vidéos que nous avons animées, comme ceci. Et enfin, je vais importer les images non animées que nous avons générées sur Leonardo AI. Voilà, maintenant que nous avons tout importé, je vais tout simplement glisser, déposer nos images ici. Donc, voici tout simplement comment vous devez placer vos éléments sur la timeline. Donc, nous avons d'abord l'image de base générée sur Leonardo AI. Et ensuite, nous avons la combinaison
version des deux sous forme vidéo. Nous avons l'image du crocodile et du cheval et nous avons la combinaison des deux. Et ainsi de suite, l'éléphant et la tortue et la combinaison des deux. Donc voici comment vous devez placer tous vos éléments sur la timeline. Et ensuite, vous allez tout simplement les couper en fonction du rythme de la musique. Et à la fin de la vidéo, je vais tout simplement ajouter un fondu sur l'audio. Donc, je vais tout simplement tirer la fin, c'est comme ceci, pour ajouter un fondu progressif de la musique. Donc là, nous venons de terminer d'ajouter nos éléments en fonction de la musique. Voici mon petit conseil. Vous devez choisir l'image qui est la plus effrayante. Donc nous avons par exemple ici la combinaison de Anaconda et d'un scorpion. Je vous conseille de commencer par cette vidéo-là parce que c'est beaucoup plus intriguant et du coup, ça poussera des personnes à regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Donc là, nous allons tout simplement commencer par cette vidéo là. Donc une fois que nous avons terminé d'ajouter toutes nos images comme ceci en fonction de la musique, nous allons tout simplement ajouter des transitions à notre vidéo. Donc là nous allons cliquer ici sur transition. Donc là nous allons tout simplement utiliser une transition assez dynamique. La transition que j'ai trouvée ici qui me paraît bien, c'est inspiration. Donc tout ce que nous allons faire, c'est glisser et déposer ici, et là nous allons les tirer un tout petit peu. Ensuite je vais faire pareil ici. C'est déjà assez bien. Maintenant nous passons à la prochaine étape. Nous allons tout simplement ajouter le texte sur notre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, la structure est simple. On ajoute tout simplement le nom des deux animaux avec une croix au milieu et puis on montre l'animal final. Donc là pour ajouter le texte, nous allons tout simplement cliquer sur texte. Ensuite nous allons ajouter un texte par défaut ici. Je vais redimensionner et je vais tout simplement écrire Anaconda. Je déplace et je le mets ici. Là je peux modifier un peu le texte pour avoir quelque chose d'assez visible. Au niveau de la police par exemple, je peux choisir Montserrat. C'est une police que j'aime bien. Ensuite je vais tout simplement ajouter un contour noir pour que notre texte soit assez visible. Je reviens ici, je vais tout simplement dupliquer le texte là, la petite croix. Je peux maintenant le déplacer pour le mettre ici. Là je vais l'agrandir. Je duplique également le texte de base. Je le modifie. Je mets scorpion. Je le déplace. Je mets ici. Donc voici notre premier texte qui a été parfaitement ajouté. Anaconda plus scorpion. Donc je vais tout simplement dupliquer ces trois formats-ci. Je maintiens Alt, je glisse et je dépose ici. Maintenant, je modifie tout simplement. Une fois terminé, vous pouvez voir ici que j'ai ajouté du texte partout sur notre vidéo. Maintenant, nous passons à la prochaine étape qui consiste à ajouter quelques effets sonores. Par exemple, ici, nous pouvons ajouter l'effet d'un animal qui grogne. Pour cela, vous avez plusieurs endroits où trouver des effets sonores. Par exemple, vous pouvez vous rendre dans la bibliothèque YouTube. Là, nous allons descendre et cliquer sur bibliothèque YouTube. Et dans la bibliothèque YouTube, nous allons cliquer ici sur effets sonores. Et là, nous allons par exemple rechercher monstre en anglais. Et ensuite, on peut écouter. Par exemple, je vais prendre cet effet-ci. Je vais tout simplement cliquer sur télécharger. Donc ça, c'est pour notre première vidéo ici à ce niveau. Ici, pour la deuxième vidéo, nous allons plutôt télécharger l'effet de l'eau. Donc vous pouvez tout simplement utiliser la bibliothèque YouTube pour trouver les effets sonores dont vous aurez besoin. Sinon, vous pouvez utiliser cette deuxième méthode. C'est tout simplement d'utiliser Eleven Labs pour générer des effets sonores. Il suffit de vous rendre sur la plateforme. Ensuite, nous allons cliquer ici sur effets sonores. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur la plateforme Eleven Labs et qui est vraiment franchement très utile. Et ici à ce niveau, vous devez tout simplement entrer le mot clé de l'effet sonore que vous souhaitez générer. Mais j'ai remarqué que lorsque vous entrez votre mot clé en anglais, le résultat est beaucoup plus qualitatif. Donc j'ai tout simplement écrit wolf qui est loup en anglais. Je clique sur générer et là nous avons quelques résultats. Parfois, ça génère des sons qui n'ont rien à voir, mais là, ça a plutôt bien marché. Par exemple, ici, on aura besoin de l'effet sonore que fait le cheval. Donc là, je vais tout simplement écrire ici cheval en anglais qui est horse. Et je clique sur générer. Donc ça, ce sont les deux méthodes pour avoir des voix off. Vous pouvez utiliser la bibliothèque YouTube ou bien vous pouvez utiliser Eleven Labs. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, mais ça, ce sont les deux méthodes principales que nous allons voir aujourd'hui. Donc une fois que vous aurez terminé de générer tous vos effets sonores, nous allons tout simplement les placer sur notre vidéo dans CapCut. Donc là, nous nous retrouvons sur CapCut pour ajouter ces effets sonores à notre vidéo.
Donc là, je vais tout simplement les importer. Après avoir ajouté tous nos effets sonores, notre timeline doit ressembler à quelque chose comme ceci. Nous venons de terminer donc notre montage. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'exporter. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons un filigrane sur notre vidéo. Donc là, nous allons exporter la vidéo et supprimer ce filigrane. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site 123apps.com. Et ici, nous allons descendre et cliquer sur supprimer le logo de la vidéo. Nous allons ouvrir notre fichier. Maintenant que nous sommes sur le site, pour pouvoir éliminer ce logo ici sur notre vidéo, nous allons tout simplement placer la souris ici et là nous allons encadrer le logo et veiller à ce que le logo soit entièrement couvert et on clique ici sur appliquer. Maintenant vous pouvez voir que notre logo a été parfaitement supprimé partout. Maintenant nous pouvons exporter. On clique sur sauvegarder format MP4 et on clique sur exporter. Et une fois l'exportation terminée, nous allons passer à la dernière étape. Ça c'est ma petite touche personnelle. Nous allons booster la qualité de cette vidéo ci. Pour cela nous allons nous rendre sur le site CapCut.com et une fois sur CapCut, nous allons cliquer ici sur outils magiques. Ensuite, on va cliquer sur améliorateur de vidéo. Et maintenant, nous allons cliquer sur téléverser. Nous choisissons notre vidéo qui a été téléchargée sur 123apps. Et là, on améliore la qualité x2 en cliquant sur améliorer. Et une fois l'amélioration de notre vidéo terminée, nous allons tout simplement la télécharger et la poster sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc là, nous avons terminé notre travail. Voici donc le résultat final de notre vidéo. Voilà, tu sais maintenant comment créer des vidéos d'animaux hybrides et les transformer en machines à vue sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. C'est une niche qui est encore sous-exploitée, alors c'est le moment de te lancer. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux plus d'astuces pour faire grandir tes réseaux sociaux et gagner de l'argent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles stratégies gagnantes. D'ici là, prenez soin de vous.